sur un passo doble, Jean-Philippe Janssen et sa partenaire Marie Denigo. Super Jean-Phi et Marie Denigo, rejoignez-moi. Bravo à tous les deux. Alors, il y a des petites promos sur la lessive. Jean-Phi qui a tout donné. Bravo, bravo Jean-Phi. On va voir l'avis de nos juges, bien sûr, et puis les notes juste après. Qu'est-ce qu'en a pensé Juan Marco? Bonsoir. Oh, ouais, ben, bravo. Juan Marco. Écoute Jean-Phi, c'était une super scénographie et toute la soirée, les équipes artistiques et techniques nous ont amenés dans des univers absolument incroyables. Tu es toujours là pour Marie, tu l'as sauvée de la mort, mais tu t'es pas sauvée de la technique, mon ami. Malheureusement, tu nous as habitués les deux dernières semaines à des performances techniques beaucoup plus élevées que ça. Et là, j'ai senti au niveau de l'approche des pieds, les genoux veulent lever beaucoup trop haut. C'est une danse qui est marchée avec un appel avec le talon, mais là, c'était beaucoup trop haut. Et pour moi, même les mouvements étaient trop stéréotypés, et c'était presque caricaturé. Donc, notre Superman avait de super bonnes intentions, mais techniquement et malheureusement, c'était une super cata. Aïe, 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 aïe. Patrick, est-ce que vous rejoignez notre ami Jean-Marc? Jean-Phi, en fait, c'est vrai que depuis deux primes, ce qui se passe, c'est que vous avez ouvert une porte de votre cœur et ça a donné à votre danse une fluidité, une grâce, une beauté qui nous a tous étonnés parce qu'on s'était dit, oh là là, son corps, il est empêtré dans son corps. Et d'un seul coup, plus du tout. Tellement c'est magique, cette générosité que vous avez et ce côté tendre qui nous touche tous. Maintenant, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, elle est où la danse? Il est où le cœur? Parce que oui, c'était martelé, oui, c'était... Mais je ne suis pas sûr que ça vous aille bien, ça, que ça soit vous. Je ne vous ai pas vu, Jean-Phi, je ne vous ai pas retrouvé ce soir. Je suis désolé de vous le dire que il faut, dans ces cas-là, il faut carrément y aller. Il faut carrément y aller. Et là, j'ai vu des moments où vous avez presque peur, vous aviez peur de vous jeter à genoux, ou d'un seul coup, pour le porter, avec ce rictus que vous avez pris, on a presque une impression que... qu'elle était un peu lourde, alors que non, elle n'est pas lourde du tout. Et vous n'avez pas eu de mal à le faire. Il faut faire attention de ne pas confondre la force et c'est dur. Mais vraiment, je préfère quand vous dansez avec votre cœur. Parce que là, c'était presque trop appris. Vous voyez? Oui, d'accord, mais on me demande de jouer Superman. Oui, bah oui, voilà. C'était le paradoxe aujourd'hui pour vous, c'est d'être le Superman,
et en même temps que ça soit facile. Comme c'était facile d'ouvrir votre... Jean-Phi et Marie, voilà. En tout cas, on va découvrir vos notes. Pour ça, direction la Red Room. Je vous laisse y aller, mon Jean-Phi. On va voir si vous savez voler. Et quelque chose me dit que Karine va encore forcer TF1 à mettre la main à la poche. C'est qu'elle a le bras long, la Karinette. Évidemment. Jean-Phi et Marie arrivent dans la Red Room. Mais avant ça, je voulais féliciter Fernand Duger et Jeannette Oliveira qui remportent chacune 3000 euros. Nos amis en Red Room ont voulu me shipper le dernier chèque de 3000 euros. Mais heureusement, il y a Superman qui est ici avec nous et il a récupéré le chèque. Alors, selon les juges, vous avez peut-être mal dansé. En tout cas, vous avez récupéré ce chèque de 3000 euros et ça, ça nous fait plaisir. Pour participer au tirage au sort, regardez bien ces images. Quelle danse Pamela Anderson et Maxime de Rémez ont-ils interprété? Un tango argentin de une valse. Envoyez tout de suite un ou deux par SMS au 7-14-14 ou appelez le 36-80. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Et cerise sur le gâteau ce soir, c'est Chaim qui vous appellera pour vous annoncer la bonne nouvelle. Jean-Phi, Marie, moi, je vous félicite. Bravo. Et on va tout de suite regarder vos notes et on va croiser les doigts. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes. Patrick Dupont. J'en fais plus de danse. 5. Shy. J'en fais, je vois l'effort, je vois le travail. Ce soir, c'était pas au niveau, mais s'il vous plaît, ne vous découragez pas. C'est un 5. Chris Marquez. Jean-Phil, j'ai envie de dédramatiser un petit peu. Ça arrive à tout le monde de se tromper dans Danse avec les Stars. Là, pour moi, ce soir, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'on a retrouvé un tout petit peu de cette maladresse, justement, qu'il y avait au début. Et peut-être que cette danse, justement, ne vous convient pas tant que ça. Donc, je préfère vous voir dans d'autres types de danse. Pour moi, ce soir, c'est tout de même pas très bon. Donc, 3. Jean-Marc Généreux. Dans le futur, attaque-toi à l'ADN, à la technique de la danse. 5. Donc, ce qui fait un total de 18 points. Le clic était très précis. On sent une belle maîtrise du geste. Ça va être un parfait abonné. C'est le clic juste là.